Yepa, tout le monde, et bienvenue sur yepapod.global. Alors, en quoi est-ce que je pense que nous pouvons tous nous entraider? Eh bien, justement, c'est la richesse de notre diversité qui fait que, en fonction d'un besoin, de la spécificité ou de la complexité de ce besoin, en fait, il va émerger dans un environnement et un contexte donné. On a tous des contextes différents. Et donc, au regard de tout ça, on n'aura pas tous les mêmes problématiques. Donc, c'est là où yepapod.global, en fait, compte sur vous au regard des réseaux. Parce que en passant par les réseaux, justement, on va multiplier justement la force de notre intelligence collective pour être capable, au regard de nos propres expériences, de donner notre vision solution. Et la personne en face, elle pourra être à même de comparer les solutions pour voir laquelle s'adapte le mieux à son contexte. Voilà, en apprendre encore et encore et encore des autres. Pourquoi? Parce que YEPA, dans le cadre de yepapod.global, en fait, YEPA a mis en place, en fait, on va dire une matrice primaire, mais cette matrice primaire est très subjective. Donc ça, c'est le risque majeur, c'est la subjectivité de yepapod.global. Donc pour se détacher de cette subjectivité, en fait, on va se reposer sur la force des réseaux, justement, et de l'intelligence collective. Voilà, les expériences différentes des gens qui vont nous permettre de cibler ou pas la profondeur de notre réponse. Avis, conseils, et surtout, je le redis à chaque fois, la grosse lacune, à mon sens, qui nous manque quand on est un particulier pour vivre, c'est que face à la gestion de nos vies, on nous demande de maîtriser des connaissances réglementaires et juridiques qu'on n'arrive pas à comprendre, nous, en tant que particulier. Donc, le but de cette plateforme est ce réseau, je vais dire, ce réseau, c'est justement de collecter l'avis de personnes plus expertes, de façon justement à augmenter le niveau d'intelligence humaine de la plateforme YEPA ou yepapod.global. Voilà. Afin de savoir ce qu'il convient de faire pour prendre les meilleures décisions. Donc si vous avez, vous, une approche expert juridique, réglementaire, ou une approche expert dans votre façon d'entreprendre, ou alors une approche plus expert dans la façon de gérer votre vie, voilà, qui va aller de la consommation à la défense, à la gestion de votre portefeuille, comment est-ce qu'on fait quand on est particulier non sachant pour s'améliorer et essayer d'améliorer son mieux vivre. Donc voilà, donc on a besoin d'experts, des experts pour aider le co-helping, et peut-être qu'un jour les gens vous aideront dans une autre phase de vos problématiques. Donc voilà, le co-helping, je donne, tu donnes, et on s'enrichit mutuellement. C'est ce que j'appellerais la synergie, la symbiose, la coopétition, etc. Donc voilà, avancez ensemble de façon à être plus fort et plus intelligible. Allez, je vous dis à bientôt, yepa! Et cette fois-ci, c'est fini, j'arrête de papoter.